Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour la suite de Lucius 2, la prophétie. La dernière fois, nous étions à la ville de Ludlow et nous avions exterminé pas mal de ses habitants, n'en restant que 3 parce qu'on ne voulait pas gaspiller des ressources utiles pour le prochain level, dont une bombe. Je sais pas comment qu'on va faire pour l'allumer, étant donné qu'on a plus de quoi balancer des explosifs, mais bon, techniquement... On s'en balèque, hein, on trouvera une horloge sur place après tout. Tout ce que je peux vous dire... Pardon. C'est que lorsque j'ai voulu faire cet épisode lors de la dernière session, ma manette est partie en cacahuète. Je ne pouvais plus diriger mon perso comme je voulais. Il tournait en rond sur lui-même. Je n'ai même pas pu voir ce qu'il y avait sur cette map. J'ai rien vu, j'ai juste vu qu'il y avait une route avec des voitures. Et donc je suppose que je vais devoir prendre quelqu'un, l'envoyer sur la route et le faire se prendre une voiture en pleine face. Alors, nous devons empoisonner... Ah non, c'est vrai que vous l'avez pas vu parce que je l'ai fait la dernière fois. Mais voilà, cinématique. Bonfire on the field and the burning cross meant that Gilmore was already working towards the seven trumpets. The boy was falling behind, so I decided to help him by stealing a truck filled with pesticides. It would take the boy straight to the third trumpet, leaving Isaac fulfilling the second. It would be through the nearby water plant, where Wormwood would poison a third of the water sources and men would die drinking it. Voilà, l'objectif c'est ça. That would even the score between Lucius and Isaac, putting them both on the same level. It would be a race to the finish between the two grim brothers. Whoever stood alone at the end would alone be worthy to sit on the dark throne. C'est pour ça que je vois pas l'eau du robinet d'ailleurs. Voilà, et là, moi, la dernière fois que j'étais ici, ça, donc il va falloir que je dirige ceci. La seule chose que j'ai vue... Oh, il y a un champ de maïs où on peut aller, on dirait. Oh. Hey, do you smell smoke? You're right. I wonder if something's burning. Ouais, les champs d'à côté. I hope it doesn't have anything to do with the Gilmore events. Yeah, the world's so fucked up these days. I can't even imagine what goes inside the heads of people who do things like that. Well, they're just born that way, I think. Rotten apples amongst others. I guess so. Bloc de bois, de quoi saboter quelque chose. Des voitures. Est-ce que je peux posséder le gars à travers la vitre? Merde, la bagnole est passée juste à côté. Ok, j'ai pris la bombe. It happened like the Bible said. By the second trumpet sounding, it cues something like a great burning mountain that plunges into the sea and wipes out a third of all sea life and ships. A third of the oceans will become blood. This was Isaac's doing.
We would have to work fast if we wanted to gain the same prestige he was currently gaining. Regardez la tronche qui tire. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est ça. Une lame de scie circulaire. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Et donc, de ce fait, il faut qu'il soit là. C'est quoi le numéro de téléphone? Poste de contrôle de sécurité. 3, 6, 8, 1. Pour appeler ceci, ça exige de l'argent. Mais il y avait de l'argent ici, mais je crois qu'il l'a volé. Alors c'est combien déjà? 3, 6, 8, 1. Mais merde. Perfect. Va-t'en, vilaine croix. Dame Ned. Heureusement, j'en ai pris plusieurs. Ah non, j'ai encore utilisé mon pouvoir du feu. Sans faire exprès. Dommage, j'aurais bien voulu en envoyer un Alpatres comme ça, mais on dirait bien que...
Bon. J'espère que t'avais rien d'important. Du poison, quoi. What the fuck? Non mais je veux pas ça, je veux ça. Le jeu est pété, hein, je tiens à le dire. Observons un peu tout ce qu'on a ici. On a une femme. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, nous avons un autre truc cassable. Tiens, bouffe. Alors le type au chiotte, je sais pas ce qu'on va lui faire, mais bon. Ah. Pardon. Alors attends. Ne te retourne surtout pas. Hi there. Il y a un cadavre là. Tu as tout oublié, prends ton café et fais pas chier. Attends, j'ai peut-être une idée. Que tu crois? Que monsieur, j'ai pas de pantalon. Bon, c'est pas grave. Là, quoi. Ah, et on dirait que j'ai réussi à tuer quelqu'un d'autre.
Voilà. Allez Pedro, viens. Voilà. Je pensais que au moins quelqu'un pourrait le récupérer et tuer à ma place, c'est ça qui est con, merde. De l'argent, super. Jesus Christ. Attends, viens. On va pas se quitter comme ça. T'as vu que ton pote était en l'air là? Chier. Est-ce que je peux pas faire une autosave là parce que je vais faire une autosave parce que sincèrement j'en étais où à ce moment là donc lui n'était pas mort. Oh fait chier. The world's so fucked. J'aurais dû sauvegarder. Bon. Donc 3 6 8 1. Bon, limite, je vais faire une ellipse le temps que je retourne au gars que j'étais, hein, où j'étais. Voilà, j'ai save, j'ai refait exactement la même chose. L'autre, il s'est pris la disqueuse, lui, il s'est pris le truc. Et lui, bah, je l'ai envoyé s'envoler par là parce qu'il arrive toujours pas à descendre et que j'ai pas envie de me faire chier à le tuer, tant pis. Donc là, je vais retourner, refaire des morts de l'autre côté. Et je vous retrouve juste après, une fois qu'ils sont tous morts. Voilà, j'ai refait un petit massacre.
Il me reste plus que les deux gars qui vont paniquer de l'autre côté. Je reviens. Voilà. Lui, c'est fait. Très discrètement, si je puis dire. Il me reste plus que l'autre. L'autre, j'ai essayé d'aller lui faire chercher la hache pour qu'il tue l'autre, mais ça n'a pas marché. Du coup... Hey, mister. Est-ce que je peux faire ça? Attends. Ah, j'ai plus de clous. Objet interdit, merde. J'ai pas de clous, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon. Ok, I'm taking you into custody. Allez, ramène-toi. Décidé de faire chier. On va tous vous tuer de la même façon, hein, étant donné que t'as l'air complètement débile. Alors attends. Parce que maintenant j'ai des nouveaux pouvoirs. Qu'est-ce que c'est que ça? Utilisation. Ah! Bon bah dis donc, j'ai des points. Alors, permet à une personne contrôlée de briser des objets. Jeter un objet ramassé. Ah bah voilà, maintenant, la personne attaque d'autres gens. Génial. À chaque fois, j'utilise les petites touches parce que c'est plus simple qu'utiliser le gros machin. Alors, panneau de contrôle cassé. Ça, c'est fait. Pour continuer, il faut que j'aille par là. Porte mène à une section de purification d'eau, autre partie de l'établissement. Oui, mais j'aimerais bien l'ouvrir, mais j'ai pas la clé. J'ai plein de clés.
Ah, c'est vrai que t'étais là, toi. De l'argent, mais j'en ai pas besoin pour l'instant. J'ai plein de clés, mais aucune qui pourrait, entre guillemets, m'être utile. Par exemple ici, voilà. J'appelle quelqu'un. Bon, attendez. On va vérifier un truc. Est-ce qu'il faut que j'appelle quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Alors, poste de sécurité, chef de... facilité Pedro Bell, Xavier Davis et Kathleen Jones. Est-ce que j'appelle le chef de facilité au 11120? Attendez. Sauvegarder. C'est après le 9, c'est... ça a raccroché. Ok, donc Pedro Bell, c'est ici. Nous avons donc Kathleen Jones, 1013. Je viens de comprendre. Il y a une autre porte là-bas. Et j'ai les clés. Non ? Non. Voilà. Bah voilà, en fait, il y a plein de gens de là-bas et je ne peux pas y aller. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, au 8971. Il y a quelqu'un. Bon. Je suis à deux doigts d'aller voir une soluce. Hein. Ça se trouve, j'ai tout foiré et il fallait garder les gens en vie pour qu'ils aillent faire des trucs pour moi. En même temps, je... Si j'avais su... que j'avais mes pouvoirs au maximum là.
Oh, si c'est ça, je refais l'épisode en entier. Hein. Je vous explique ce qui s'est passé et puis c'est bon. Hein. Parce que comment je fais? How do I do? Et le problème, c'est qu'en ligne, tout ce que j'ai, c'est des solutions non écrites. C'est chiant. Oui, j'ai cherché parce qu'à un moment, je me demandais qu'est-ce que je devais faire dans l'hôpital. J'ai été voir. Mais c'est que des gens qui font des vidéos avec toujours le même ton de merde en mode oui, aujourd'hui on va faire une vidéo. Oui, voilà. Et quoi, et personne est venu voir. Genre, il y a eu une des pompes qui est coupée. Alors, déjà. Bien péter ces vannes là, du coup. Donc ça, c'est une vanne à péter. Le fait que ce soit trempé, ça n'influe pas sur le fait que peut-être à un moment donné, ça ne fait plus de courant. Bon. Est-ce que je peux faire péter cette grille ? Est-ce que je peux la faire péter avec une bombe? Parce que là, qu'est-ce que... Le jeu, qu'est-ce que je suis supposé faire? Est-ce que je devais garder ces gens en vie? Est-ce que leur vie impliquait qu'ils pouvaient m'ouvrir des portes? Mais ça devient chiant à la longue, c'est cryptique as fuck. Voilà, ellipse quoi. Ok, j'ai eu un souci. J'ai appuyé sur F9 au lieu d'F10, mais j'ai découvert la solution. C'est tout con en fait. Utiliser ça, mais pourquoi est-ce qu'il faut utiliser ça? Voilà pourquoi il faut utiliser ça. Parce qu'en fait ça ouvre la porte en faisant ça, c'est totalement débile. Et heureusement qu'on est l'enfant du diable, hein, mais bon. This purifier was the first place where the water gets checked. It had now been disabled. And all the impurities were able to pass through. Tester mes nouvelles capacités.
Mauvais côté. J'aurais dû sauvegarder, sincèrement. Allez-y, mettez-vous à deux l'un à côté de l'autre. Je voulais utiliser ça, mais finalement, tu sais quoi, c'est mieux comme ça. Je vois pas de truc assis là. Où sont vos parents ? Dis-moi. Ça c'est fait, maintenant il me faut d'autres bidons d'eau pour ça. Ah. Voilà.
gonna have a talk. Oui. On va plutôt parler d'électricité, mon dieu. T'es pas crédible. Alors. Ah, c'est bon, j'ai tous mes pouvoirs. Parfait. Donc voilà, c'était mal parti, mais finalement, tout va bien. Alors j'ai vu que cette partie-là est très très longue. Cette porte mise en secteur de réservoir d'eau avec la télécommande. Alors attends, déjà hop. Alors par contre, ils auraient pu mieux amener ça, le fait qu'il faille un court-circuit pour faire bouger le truc. Putain, tout à l'heure, il fallait littéralement passer l'échelle pour descendre d'un truc. Mais ici, comme c'est Lucius, ben, il faut qu'il marche sur les tuyaux, parce que c'est pas réaliste qu'il vole. Baissé ou pas, je me rappelle plus. Mais voilà, mais évidemment que je peux pas passer. Vous avez fumé quoi? C'est... Ah, ça y est. Ben heureusement que j'avais des objets, hein. Cassable.
Oui, vous perdez les boules. Ah tiens, salut. Enough of this. Taking you to the authorities. Hello, dear. This was aren't a you a sunshine? Just last brightens day. Up my whole week. It'll be all right. We'll just have to wait. Alors attends. Je vais garder ça pour la suite. Et voilà. The sound of the third trumpet, a great star called Wormwood, or in this case, the Wormwood Truck, falls to the ground, poisoning a third of the state's fresh water sources. Men will die from drinking its bitter taste. Normalement, là, mon pouvoir, il a dû faire Mon pouvoir là il a dû monter mais à une de ses puissances. Temps 36-38, mais est-ce que c'est en comptant le ridou que j'ai dû recommencer. De toute façon on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming, c'était Devin à plus.